Donc, je vais vous faire un résumé de la pièce Cinna de Corneille, mais bien sûr ce résumé ne remplace pas la lecture de la pièce. Donc c'est pourquoi je vous conseille, pour gagner du temps, de cliquer sur le lien et de l'écouter. Alors, l'action de Cinna se situe à la cour d'Auguste, le premier empereur romain qui s'est imposé à la fin de la République romaine après avoir éliminé tous ses adversaires. Les personnages principaux sont peu nombreux. On a Cinna et Maxime, ses confidents, Livy, son épouse, et surtout Émilie, une jeune fille qu'il a accueillie à sa cour comme sa fille et qu'il comble de faveurs pour lui faire oublier qu'il a fait assassiner son père. Émilie ne parvient pas à oublier ce crime ni à réprimer son désir de vengeance. Elle envisage de demander à l'homme qu'elle aime, Cinna, de poignarder Auguste, même si elle sait qu'elle met sa vie en péril. Elle est tiraillée entre son devoir moral envers son père et son amour pour Cinna. Fulvie, sa confidente, veut lui faire comprendre que son désir de vengeance, aussi justifié qu'il soit moralement, ne peut prendre cette forme extrême. Auguste a tenté de réparer le mal qu'il a fait à sa famille. Ne pas le reconnaître serait très ingrat. Pour Émilie, cependant, renoncer à venger son père est une infamie. Cinna semble prêt à céder aux demandes d'Émilie. Il pense qu'il peut défendre à la fois les intérêts d'Émilie et ceux des Romains qui veulent retrouver leur liberté politique. Il veut profiter d'une cérémonie au Capitole pour poignarder Auguste. Émilie est consciente qu'il y a en elle conflit entre cœur et raison. Donc on est bien dans un dilemme cornélien. Pour elle, cependant, Cinna n'a le choix qu'entre le déshonneur et la gloire d'avoir réalisé un grand dessein. Pourtant, elle souhaite ardemment qu'il survive parce qu'elle l'aime. Cinna et Maxime sont convoqués subitement par Auguste. Ils craignent d'avoir été dénoncés. Émilie s'alarme à l'idée qu'elle pourrait tout perdre, que Cinna ne puisse venger son père et qu'il soit proscrit ou tué par Auguste, auquel cas elle aurait aussi perdu l'amour. Cinna rappelle qu'il est prêt à affronter la mort, même s'il risque de perdre Émilie. En fait, Auguste veut consulter ses plus proches confidents. Il leur rappelle tout ce qu'il a apporté à la puissance romaine, puis il leur avoue qu'il est pris de doute, qu'il trouve l'exercice du pouvoir très pesant et qu'il a même des craintes pour son avenir. Cinna l'incite à considérer tous les aspects positifs de son action en rappelant combien ses victoires ont été légitimes. Maxime, au contraire, l'incite à écouter ses sentiments profonds, lui rappelle qu'il est exposé à bien des dangers et que renoncer au pouvoir le rendrait célèbre pour la postérité. Pour Cinna, quitter le pouvoir, c'est livrer Rome à ses vieux démons, aux luttes continuelles qui ont marqué la fin de la République. Auguste finit par se rallier aux arguments de Cinna. Il décide de nommer Maxime gouverneur de Sicile et annonce à Cinna qu'il lui donne Émilie comme épouse. Maxime et Cinna reconnaissent que les arguments qu'ils ont développés face à Auguste sont très contradictoires. Cinna voudrait combattre la tyrannie en tuant Auguste et en le punissant de tous ses crimes, faire ainsi un exemple pour éviter toute autre expérience de tyrannie. Maxime souhaiterait simplement qu'Auguste, par un départ spontané, permette à Rome de retrouver sa liberté. Maxime comprend que Cinna ne peut dignement épouser Émilie sans venger d'abord la mort de son père. Il remarque cependant que Cinna agit pour résoudre sa situation personnelle aussi bien que dans l'intérêt de Rome. Il révèle aussi, de manière étonnante, qu'il est lui aussi secrètement amoureux d'Émilie, malgré toute l'amitié qui le lie à Cinna. Euphorbe, un autre confident, l'incite au contraire à trahir son ami. Maxime refuse d'accepter ce plan machiavélique et reconnaît qu'il serait absurde de vouloir ainsi gagner le cœur d'Émilie. Cinna comprend peu à peu que le serment qu'il a fait à Émilie heurte les dieux et la morale. Il reconnaît ses contradictions, sa faiblesse face à Émilie et sa lâcheté face aux autres conspirateurs. Dans un long monologue, Cinna constate l'opposition entre raison et sentiment. Seule issue, parvenir à convaincre Émilie de l'impasse dans laquelle son exigence le conduit. Émilie vient de voir Auguste et Livy. Elle craignait que Cinna ait été arrêté pour conjuration. Elle s'avoue très soulagée que l'empereur, au contraire, lui ait accordé la main de Cinna. Pour lui, le dilemme reste le même. Il est éperdument amoureux d'Émilie, mais celle-ci lui pose une condition impossible, tuer Auguste.
Déception d'Émilie, qui croit que Sina, par faiblesse, cède à Auguste. Elle répète qu'elle seule peut lui donner son cœur. Sina répète de son côté qu'il ne l'a pas trahi et que la possibilité qu'Auguste quitte de lui-même le pouvoir offre une nouvelle perspective. Émilie, qui ne peut accepter aucun sentiment de gratitude à l'égard d'Auguste, se sent trahie. Pour Sina, l'assassinat est un geste que le ciel réprouve. Pour Émilie, ne pas punir le tyran et faire preuve de lâcheté. Elle ajoute qu'elle est bien décidée à se venger seule et que c'est par amour pour lui qu'elle y a renoncé jusque-là. Sina ne peut que condamner cette position extrême, mais déclare qu'il va tuer Auguste et se tuer lui-même. Émilie reconnaît qu'elle demande l'impossible et regrette déjà son intransigeance car elle ne veut pas que Sina meure. Euphorbe vient révéler à Auguste, à la demande de Maxime, le projet des conjurés et combien Sina est décidée à aller jusqu'au bout. Très déçu par cette déloyauté, Auguste se déclare prêt à punir Sina. On apprend alors que Maxime, pour se punir de sa trahison, se serait donné la mort en se jetant dans le Tibre. Auguste est très ému, mais Sina lui rappelle combien il a de morts sur la conscience et qu'il n'y a pour lui qu'une seule issue, se suicider. Dans un long monologue, Auguste s'en remet au ciel pour décider s'il doit continuer à régner ou mourir. Auguste, face à Livie, se montre lassé, trahi. Elle lui démontre que la sévérité n'a plus de sens. Seule la clémence et la générosité sont acceptables. Éliminer Sina ne pourrait que créer une nouvelle agitation dans Rome. Auguste se dit prêt à renoncer au pouvoir et à mourir, mais seulement sous les coups des conjurés. Il ajoute qu'il doit se venger de Sina s'il veut rester prince. Émilie apprend avec soulagement qu'Auguste a voulu s'entretenir avec Sina, mais aussi que Maxime se serait jeté dans le Tibre. Elle est en plein désespoir. Émilie apprend alors que Maxime ne s'est pas jeté dans le Tibre. Il lui propose maintenant de fuir avec lui pour échapper aux poursuites et pour essayer de gagner son cœur. Émilie refuse avec indignation. Auguste rappelle à Sina tous les liens qui les unissent, tous les bienfaits qu'il lui a accordés. Il lui reproche de vouloir prendre sa place au prix de nouvelles luttes meurtrières. Sina a du mal à se défendre. Survient Émilie, qui cherche à prendre toute sa responsabilité dans le complot. Auguste est surpris qu'Émilie s'accuse ainsi pour sauver Sina et qu'elle soit prête à mourir en même temps que son amant. Émilie rappelle que la faute fondamentale a été celle commise par Auguste et lui affirme qu'elle ne se sent pas plus coupable que lui. Livie intervient pour rappeler qu'il s'agit là d'un crime d'État. Émilie souligne qu'elle serait plus dangereuse encore si Auguste sacrifiait Sina, tandis que celui-ci cherche à la disculper. C'est pour gagner son cœur qu'il aurait proposé de la venger. Elle n'a été que sa complice finalement. Auguste semble cependant prêt à les punir tous les deux. Dans la dernière scène, Auguste se montre prêt à pardonner à Maxime après son repentir. Celui-ci lui avoue qu'il a voulu fuir avec Émilie en espérant conquérir son cœur, mais qu'il a ainsi trahi son amie Sina. Par un retournement subit, Auguste décide de leur accorder son pardon. Il offre à Sina un poste politique important comme consul. Émilie, très émue, se montre prête à pardonner, tandis que Sina salue la clémence d'Auguste. Bel exemple de générosité des princes. Et c'est pour ça que le titre de la tragédie, c'est Sina ou la...